merci pour la question. Mais cependant, je dis que c'est pour ça que nous là. Et nous avons fait toutes les démarches appropriées. Ou après nous compte sous la cour à la commissaire et Villevert Rosier Lila. Mais cependant, il y a une rumeur qui t'a fait croire que le commissaire du gouvernement a décidé pour ne pas prendre siège à journée aujourd'hui parce que il va camper travail. Moi-même, comme avocat, je dois dire que le commissaire du gouvernement a fait grève parce que nous connaissons que le commissaire du gouvernement, juge, policier et médecin, infirmière, il n'y a pas supposé faire grève. Cependant, la loi reconnaît que les magistrats, c'est-à-dire les juges et les commissaires du gouvernement, ils ont le droit de réunir en association pour commencer et ils ont le droit de faire passer revendications. Parce que nous connaissons que dans le pays d'Haïti, c'est un pays côté que ils n'ont pas traité professionnel bien, notamment les juges et les commissaires du gouvernement. Gagner moins te apprendre parce que moi son monde qui très avisé parce que moi c'est un monde tout qui était très actif au niveau de certaines associations de magistrats dans ce pays. Donc moi apprendre que tu as gagné des promesses qui étaient faites depuis sous ancien ministre Rockefeller Vincent, mais malheureusement les promesses ça ont été faites à commissaire yo pas ta jambe réalisé ni concrétisé. C'est en fonction de cela que le commissaire Yotava a décidé de camper travail journée aujourd'hui. Je la présence aujourd'hui là, c'est pour moi attirer attention au commissaire que si vous avez droit pour que yo fait passer revendication yo, si vous avez droit pour yo réunir en association, eh bien, faut que yo connaisse tout que la justice pas capable bloquer totalement. Faut vraiment demande de démarche commissaire du gouvernement a fait yo qui c'est démarche que moi-même moi qualifié de un bagage qui est juste. Donc en toute chose, je pensais que position extrémiste là, li pas bon et m'a demandé tout ministre justice là ensemble avec magistrat Villard qui sont anciens magistrats et qui c'est chef cabinet ministre là, pour qu'au plus vite yo réuni avec commissaire du gouvernement yo pour rejoindre nos solutions, il y a un dénouement à la crise là. Parce que si la justice n'est pas fonctionnelle, le ministre de la Justice est aussi responsable que les commissaires du gouvernement qui a fait passer les revendications là. Voilà pourquoi il est urgent, il est important, au nom du principe qui veut que la justice ne soit pas entravée, que les commissaires ont créé une cellule d'urgence pour que au moins ils siègent dans le siège correctionnel. Et je ne dis pas là, nous connaissons qu'un pile prisonnier qui est supposé arriver là, pour le siège correctionnel là, nous souhaitons que le commissaire ait au moins, ou bien le commissaire en chef, le commissaire Lafontan, il ait pris disposition pour que les prisonniers, les prévenus, ils arrivent là et que ils attendent. Et je vais faire une remarque, peut-être, excusez-moi, une remarque que vous pouvez également, qui est judicieuse. Remarque que vous avez fait. Je connais que généralement, les juges de siège, juges magistrats assis, c'est-à-dire juges qui prennent siège, ils ont toujours une tendance pour solidariser totalement avec les autres magistrats, qui sont des magistrats debout, les parquetiers. Mais m'a dit que l'article 17 du Code d'instruction criminelle, il prévoit, si il y a un siège qui apprend, un siège correctionnel, ou bien un siège criminel, et que tu vas gagner, le juge n'a pas qu'à joindre un commissaire du gouvernement qui a joué le ministère public dans siège ça, eh bien, le juge de siège est capable de rendre une ordonnance, séance tenante, côté que il a désigné un autre juge qui va jouer le rôle commissaire du gouvernement, qui va jouer le rôle ministère public. Là. Parce que la loi te prévoit qu'il y a des cas côté que les commissaires capables absents ou bien des commissaires capables empêchés pour quelque raison, pour quelque motif que ce soit. Eh bien, dans le cas ça,
dans le but pour que la justice, le cours de la justice n'est pas entravé, eh bien la loi prévoit quelle disposition qui est capable de prendre. Et si c'est un siège civil ou bien n'importe l'autre siège, eh bien nous sommes capables de prendre tout le décret du 22 août 1995 qui prévoit, nous prenons l'article 28, si il y a empêchement, si il y a absence, si le juge a constaté absence du ministère public là, dans l'audience que l'a fait, eh bien le juge du siège est capable de faire même Samson Doula là. Il est capable de désigner un juge pareil pour remplacer le commissaire du gouvernement, c'est-à-dire pour jouer le rôle du ministère public. S'il n'a pas fait ça, eh bien le doyen du tribunal a gagné l'impérieuse obligation en vertu de la loi pour que les désignés un juge dans le tribunal LIA qui pour remplacer le ministère public à l'audience. Et par rapport avec remettre ça maintenant, qui est inquiétude qu'on gagne pour le client là et qui t'a plaidé? Inquiétude, moi, elle est très très grande, moi très très préoccupé, d'autant plus que moi, expliquez-nous là, et nous tous connaissons que M. Mikatin Morvan n'est pas supposé dans la prison journée aujourd'hui. Premièrement, nous n'avons jamais un chèque sans provision que l'on dit M. Mikatin Morvan Libaïla. Et le pire, dans l'audience qui était gagnée là, lorsque l'on a fait la représentation des pièces, pièces ça n'est pas dans le dossier. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que c'est un dossier qui est fabriqué de toutes pièces pour que l'on arrête M. Mikatin Morvan pour l'on en prison journée aujourd'hui. Et où est toute velléité qui gagnait pour que l'irrité dans prison, mais nous-mêmes qui sommes défenseurs du monde, nous-mêmes qui sommes avocats nés de veuves et orphelins, nous là, jeudi, pour que nous soyons capables de faire tout ça qui n'a pouvoir nous comme avocats, pour que nous soyons capables de venir non seulement avec M. Mikatin Morvan là, dans l'audience, pour nous venir avec tout le monde qui était sur tout le prisonnier qui était supposé dans l'audience de journée jeudi à là, pour que nous capables de pencher sous son. C'est très important parce que la détention préventive prolongée, c'est l'exception. Le jugement d'une personne en prison, c'est la règle. Dans tout état de droit, pas supposé gagner tout le monde qui est en détention préventive dans un pays comme Haïti, côté que pas gagner manger pour les prisonniers, toute la journée, autant de gagner mutinerie au niveau des prisons, pas parce que tout simplement, gagner des prisonniers qui malades dedans, gagner des prisonniers, nous capables ça, qui vraiment vit maigre dans la prison parce que pas capable de manger, nous pensons que juge, yo, commissaire du gouvernement, yo pas dû nullement contribuer au dépérissement, à la dégradation de situations périlleuses que prisonniers y a vivent dans la pénitentiaire nationale et dans toute l'autre prison dans le pays d'Haïti. Je vous ai demandé certificat ça. Je ne suis pas opiné sur la décision magistrat. Il a demandé lui. Et c'est parce que nous demandons liberté provisoire pour M. Mikatin Morvan le jour de l'audience, jour où l'audience est passée. Hein. Mais ce n'est pas une pièce vraiment que normalement nous obligés de venir avec lui. Mais je vous dis, nous venons avec des documents quand même, au cas où. Et nous venons avec des documents qui montrent que M. Mikatin Morvan, c'est un citoyen honnête qui n'est pas dans le kidnapping, qui n'est pas dans le volet dans le pays. C'est un formateur, c'est un monde qui crée l'école pour éduquer le monde. Nous connaissons l'école là, c'est Go On Institute. Côté que il y a même des leaders politiques qui passent dans l'école là. Et ça qui te fait moins plaisir encore, c'est que le jour de l'audience, le jour passé, l'audience, il y a au moins 5 personnes qui sont dans la salle là, par coïncidence, qui dit moi, maître, Kembela, moi-même avec Maître Evel Fafan, Kembela, parce que nous même tout, nous sommes passés dans l'institut ça, qui c'est Go On Institute. Un citoyen qui ne peut pas montrer le monde pour qu'il y ait des âmes, contrairement à un pile monde
dans le pays qui a montré les gens pour faire ça que pas ça. C'est ça comme exemple. Un citoyen qui a un exemple pour encourager les gens pour apprendre la langue, qui c'est une meilleure façon pour que les gens capables d'évoluer dans tout le pays, qui sont moyens de communication par excellence, eh bien c'est monsieur Journée Jodia qui est victime pour des raisons inavouées et inavouables. M. Mikatem Ovan est en prison en dépit du fait que les gens qui ont porté plainte contre ce qui était là, nous n'en les laissons tomber dossier. Rappelez-nous, cher maître. C'est maître Mario Delcy.